Bon, petite vidéo où il y a Corinne là qui a des véhicules qu'elle veut effacer. On va avoir différentes problématiques. Celui-là, il va être compliqué parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On pense qu'il y a des cailloux là. Mais ce qu'il y a vraiment derrière, je ne sais pas. C'est pareil, là, il y a une espèce de petit muret. Comment il va être après, ça va être un peu compliqué. Mais bon, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement recopier du caillou qui se trouve là, mais pas sûr que ça soit très pratique. Celui-là, là, on a un problème, on a de l'ombre, on a du gazon, on a du caillou. Derrière, on ne sait pas trop ce qu'il y a non plus. On pourrait dire que ça ressemble un peu à ça. On va déjà commencer d'ailleurs. Donc, l'outil tampon ici, on fait alt. Alors, l'outil tampon règle soit l'épaisseur, soit la dureté. La dureté, c'est ce que les bords sont francs ou sont pas francs. Là, je vais partir de cette zone-là, puis je vais commencer à descendre par là pour voir un peu ce que ça donne. C'est pas mal. Ça se voit pas trop. Donc ça, on va continuer un peu comme ça. Il faut essayer de faire attention lorsqu'on recopie, de pas toujours prendre les mêmes zones. Parce qu'on peut se retrouver avec des choses qui sont un peu redondantes. Là, on va continuer un peu d'arbre aussi, tiens. On va le faire continuer cet arbre pour voir comme ça ressemble. Alors là, c'est un bon exemple. On voit que j'ai de la texture là qui a été reprise. Ça fait un peu répétitif. Donc dans ces cas-là, on prend une autre zone. Puis on met un petit coup pour casser la texture. Voilà, c'est bon. Là, j'ai mon gazon ici, je vais virer la roue. Donc voilà, c'est de la peinture. Donc il va falloir continuer à faire comme ça, en étant intelligent, en essayant de faire des choses naturelles, en copiant les bonnes zones. Parce qu'on n'arrivera pas, à mon avis, à faire tout d'un coup. Donc faut essayer. Là, par exemple, je vais continuer à faire descendre ce lierre là. Voilà, on va le prendre un peu ici aussi, on va essayer de le continuer un peu. Donc à ce moment-là, on prend un peu au milieu pour remplir. Voilà, on dit que le lierre, il continue un peu. On va le faire arriver dans une zone comme ce lierre. C'est le bas là, le bas il m'embête. Autant là, le caillou, je vois comment le faire descendre, autant la zone qui est là. Soit je le transforme complètement en zone herbeuse, soit une zone mi-herbe comme ça, comme celle-là, là, celle qui est devant, c'est aussi une possibilité. On a quand même de l'herbe. Le problème, c'est qu'il faudrait que je trouve de l'herbe qui est au soleil, et que là, l'herbe que j'ai, elle est plutôt à l'ombre. Ah, oui, mais celle-là, elle est trop près, elle a pas la même texture. Donc, on va quand même essayer un peu, voir ce que ça pourrait donner. Là, j'ai quand même un moment le tronc, il faudra l'arrêter. Hein, donc, on peut l'arrêter, je sais pas comment on l'arrêtera. On va continuer un peu ça là. C'est pas mal. Donc, il faut pas hésiter à copier, casser un peu, recopier en se remettant dessus. Donc là, c'est pas mal. On a quand même une texture un peu répétitive, mais ça on la cassera après avec un truc qui s'appelle l'outil pièce. On verra ça après. Là, je suis en train de recopier du caillou là. Voilà, on va faire redescendre ce caillou là un peu plus bas. Voilà, comme ça. Là, on est pas mal. Et là, je vais rejoindre cette zone qui est là. Voilà. Donc toujours avec l'outil tampon, alt et clic pour aller dans la zone que je veux copier. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ce camion? Je crois que je vais faire descendre quelque chose qui ressemble à ça là. Je vais faire descendre quelque chose qui ressemble à ça par là. On va voir un peu si on arrive à faire quelque chose qui ressemble et avec du lierre. Voilà. Ça tient à peu près la route. Je vais prendre ça, je vais continuer à le faire descendre par là. Je vais garder le rocher.
je vais prendre le lierre qui est là-haut. On va continuer à faire descendre la chose. Voilà. Là, mon lierre, je vais l'arrêter en copiant le lierre qui est ici. Il faut être imaginatif. Voilà, donc ça fait à peu près naturel puisque c'est une copie d'un autre truc. Là, je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prendrais pas un rocher pour arrêter mon tronc d'arbre? Je pourrais prendre ça où? Non. Bon, je vais prendre plutôt cette zone-là. On va essayer de la. Et là, on va copier là pour que ça soit pas trop foncé. Voilà. Voilà, ça tient à peu près la route. Donc maintenant, il faut décider de ce que je fais en bas. Donc soit je fais du gazon, soit je fais du gazon. Voilà. On va voir une fois que je serai au bout ce que ça donne. Et on verra comment on casse ensuite les structures. Voilà, ce qui m'embête, c'est que c'est un peu caillouteux. Il faudrait quand même que j'arrive à faire un truc comme ça, là. Que je ramène un peu de cailloux pour terminer cette zone. Alors là, il faut vraiment y aller par petite dose, hein. Et surtout arriver ensuite à faire quelque chose de naturel, ce qui n'est pas une évidence. On verra après. Et là, je vais rester sur du gazon avec la nature qui arrive. On verra après. Ouais, je vais plutôt faire descendre la nature un peu plus. Donc je vais faire descendre ce truc là, je vais le, voilà, on va le descendre un peu plus. Bon, éloignons-nous un peu, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas mal, ça se tente. Alors, le problème c'est la structure ici, qui est assez répétitive là. Alors, on voit que j'ai une structure de gazon ici qui est assez intéressante. Donc là, on va prendre un outil qui s'appelle l'outil pièce. Donc l'outil pièce, en fait, on sélectionne une zone et on va la déplacer dans une autre zone et ça va copier la texture. Donc je prends par exemple cette zone-là et je la déplace dans ma zone gazon là-bas. Et voilà, je retire la sélection. Ça m'a copié la texture de ce qui était là, mais en gardant la couleur. Donc en faisant comme ça, je vais pouvoir casser un peu la structure répétitive de mon gazon. Là, en allant prendre de la structure qui se trouve ailleurs, de gazon, d'accord. Donc je garde mes couleurs, mais simplement je prends une structure d'ailleurs. Donc là, on voit déjà, c'est devenu beaucoup moins répétitif puisque j'ai cassé un peu toute ma structure. On va le faire ici aussi, puisque là, on a un motif qui se répète, voilà. On peut aussi aller le faire là sur les zones transitoires, hein. Et là, on va prendre, je sais pas, la structure du caillou. Voilà. Et ça nous a fait quelque chose de qui se termine proprement. On va, ici, c'est pareil, je suis assez avec la même texture. Donc là, par contre, je vais prendre la structure de la route. Voilà. Structure de la route ici, par exemple. Voilà. Donc ça fait assez caillouteux. Voilà. Je prends la structure de la route qui est là. Et ensuite, je vais prendre mon bord ici, la petite zone qui restait, et je vais aller prendre une structure de cailloux là-bas. Voilà. Et ben voilà. Moi, ça me paraît pas mal. Et encore ici où ça m'embête. Donc ça, c'est pareil. Je vais prendre une partie et je vais aller prendre une structure d'autre chose. Holder. Voilà. Donc là, j'ai bien mon tronc, j'ai mon lierre qui a redescendu là, j'ai la nature qui va là, j'ai une partie herbe de gazon ici, un peu de cailloux. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on montre ça sans me dire que c'est une retouche. Ouais, ici et là, encore un peu répétitif. Allez, on va aller prendre une structure un peu ailleurs. Voilà, et puis là, peut-être encore... Mais je veux dire, bon, faut y aller. Hein. Donc voilà, c'est de la peinture en fait, et on utilise comme pinceau ce qu'on a autour de nous. Alors, celle-là, elle est faite. Donc on vérifie maintenant, on s'en va là. Est-ce que j'ai quelque chose? Je vois là, éventuellement, on voit une espèce de petite
petites lignes un peu répétitives. Ouais, et encore. Allez, on va casser ça en prenant une structure qui se trouve là-haut. Voilà. Impeccable. Non, maintenant il n'y a vraiment plus rien. Celui-là, ça va être plus embêtant. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas trop comment le faire. Alors c'est pareil, on va essayer d'être intelligent sur ce coup-là. Donc on voit qu'on a un gazon ici qui remonte, on a un pot de fleurs, je suis pas sûr de pouvoir le garder. Là manifestement il y a un muret, comment le reconstruire? Et là il y a un poteau. Alors le poteau, faut le problème qu'on a aussi c'est la jointure là entre la plante et la plante, mais on va quand même ici. Donc je pars de mon poteau, d'accord, du haut de mon poteau qui est là. Je me mets alors pas où il y avait l'ombre, donc je recommence. Je me mets là, voilà, et je fais descendre mon poteau. Voilà, et je recopie, je verrai, je m'occuperai de ça après. Je vais peut-être d'ailleurs supprimer tout ce qui est le muret. Hein, ça risque d'être beaucoup plus facile pour moi de supprimer le muret que de le garder. Parce que là, je peux copier de la structure de pierre et le poteau fera naturel. Tandis que si je garde le muret, je vais t'emmerder. Pourquoi tu me fais ça? Pardon, c'est moi qui ai pas pris les os au bon endroit. Voilà. Ok, là. On met un peu le. Voilà. Continue ici le mur. Là, je suis allé un peu trop loin. Alors là, toute la problématique, ça va être de gérer la dureté avec le petit pot en terre là. Si on veut le garder à peu près correctement. Ok. Je revire la dureté. Allez, à bas les pots de fleurs. Suce au pot de fleurs. Là, j'y suis allé un peu trop fort, mais on va continuer. Voilà. On copie un peu de gazon là. Et ben, j'aurais tendance à dire que on a déjà fait disparaître l'arrière de la caisse. Ok, on continue à s'occuper de cette partie-là. On va d'abord séparer les. Ensuite, on pourra remplir la structure assez facilement. Maintenant, il va falloir décider de ce qu'on met dedans. Là, c'est des cailloux, oui. Des cailloux au soleil, oui. Mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à les faire. Donc je me demande s'il ne faut pas copier les cailloux qui sont ici pour les mettre à l'intérieur. Parce que je vois pas d'autres. Ah, j'ai des cailloux qui sont là en bas. Mais ils sont trop en bas, ça. Ouais, et puis ils sont trop gros. Donc on va dire que c'est du caillou comme ça derrière. Et ben là, on va y aller comme un bourrin. On va remplir toute la zone. Il faut faire attention aux pylônes de. On verra après pour le reste. On continue à remplir ça. Faire attention. Faut être assez précis. On ira voir ça par la suite. Tiens, j'ai copié un peu trop de. Là, on est quand même à un zoom assez fort, donc je pense que ça se verra pas avec les petites plantes vertes. Il faudra qu'on voit par la suite, une fois qu'on aura terminé. C'est pareil, hein, comme ils sont pas homogènes, hein, je vais aussi remplacer les cailloux en haut. Hein. Je peux pas les garder. Celui-là, éventuellement, je peux toujours dire que c'est un truc qui est dessus. Pourquoi pas? On va faire ça en gros. Et puis ensuite, on va voir ce qui est gênant.
J'aurais tendance à dire que là j'ai encore un peu de bleu que je peux virer. Là aussi, je vais lui en dessous, là aussi sur le bord. Là, on peut dire que c'est l'ombre. Alors là, éventuellement, ce que je vais faire, je vais prendre une opacité plus faible et je vais passer les cailloux dans les plantes vertes. Non, pardon, trop fort. Comme ça, on va quand même donner un peu plus la couleur du caillou, voilà, et sortir un peu le bleu qui était derrière. Alors, contrôle-moi. Bon, est-ce que ça le fait? Est-ce que ça le fait? Bah, moi je vois encore des petites imperfections. Le bleu me gêne. On continue à avoir le bleu là dans le bac. Moi, si c'était que moi, hein. En plus le bac il est moche, donc je reviens en opacité 100. Le bac, je me le fais, voilà, comme ça je me pose pas trop de problèmes avec ce bleu qui m'embête. Je fais, hop là, je fais bien la bordure là, voilà. Je continue à bien faire la bordure ici, là. Voilà. Le poteau, et ben, ah, là il y a un truc qui ne me va pas parce que il me manque du. Il a été bouffé un peu mon poteau là, donc je vais en mettre un peu. Et je vais prendre mon poteau là. Et mon poteau, il va tranquillement continuer un peu plus loin aussi. Parce que les bacs à fleurs qu'il a mis au bord de la route, ils me plaisent pas. J'espère que c'est pas les tiens. Et on termine le petit bout de bac à fleurs qu'il a. Et on va remettre un petit coup de. Avec une dureté plus grande là. Pour les bords. Voilà. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on prend une épaisseur plus petite. On prend une dureté assez forte. Et on prend là. Et on descend là pour faire la jointure. Voilà. Et ben voilà. Il y a deux voitures qui ont disparu. C'est terminé. Salut.